Veremos qué se me imagina. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai que les participants. J'ai 10 participants. Oui. Ah oui. Donc je commence. Oui, non, je ne vais pas le cours. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, c'est Maïk, c'est pour que... Oui, oui, on vous entend. Ah non. Enfin, l'essentiel, je suis connectée. Comment je suis déconnectée? Donc, je fais marcher. Donc, on va commencer le cours. Bon, premièrement, je m'excuse pour hier. Je ne savais pas que j'avais un cours. Donc, malheureusement, je l'ai raté. Mais qu'on va rattraper, Inch'Allah, demain. Donc, on va aborder le chapitre des complications du diabète sucré. Oui. Donc, l'évolution du diabète sucré peut être émaillée par la survenue à tout moment de complications métaboliques aiguës. Ce sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques engageant le pronostic vital si elles ne sont pas prises en charge précocement. Donc, certaines de ces complications sont en rapport avec la maladie elle-même. C'est le cas de l'acidocidose et le coma hyperosmolaire. D'autres sont en rapport avec le traitement, c'est-à-dire après avoir traité le malade, qu'on va voir ses complications, on a les hypoglycémies et l'acidose lactique. Nous commençons toujours par le coma le plus fréquent vers le coma le moins fréquent. Donc, la complication la plus fréquente en diabétologie, c'est l'acidocytose diabétique, qui est définie par quoi? Elle se définit de façon arbitraire par un pH qui est inférieur à 7,2, une hypoglycémie qui est supérieure à 3 g par litre en rapport avec l'accumulation de corps cytoniques dans le sang. Donc, sur le plan physiopathologique, nous avons un seul mécanisme, c'est le déficit en insuline. Tout le monde sait que l'insuline, elle empêche, donc l'insuline fait rentrer le glucose dans la cellule. Cette carence en insuline, soit qu'elle est absolue, soit qu'elle est relative. Absolue, c'est le cas de diabète de type 1. Donc, dans cette forme de diabète, elle vient souvent révéler l'anomalie métabolique qui est jusque-là méconnue. Soit le contraire, elle survient chez un diabétique qui est déjà connu, traité, mais qui a arrêté ses injections d'insuline d'une façon volontaire ou involontaire. Deuxièmement, cette carence, elle peut être relative. Là, c'est les deux types de diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou bien le diabète de type 2, dont les besoins augmentent brusquement à l'occasion d'une pathologie intercurrente, genre au cours d'une infection, d'un traumatisme, d'une chirurgie. Quelles sont les conséquences de cette carence en insuline? Nous avons plusieurs. Premièrement, l'hyperglycémie, qui elle-même en rapport avec une augmentation de la production hépatique du glucose et deuxièmement, une diminution de l'utilisation périphérique du glucose par les tissus insulinosensibles, bien sûr, qui sont le foie, le muscle et le tissu adipeux. Là, c'est la première conséquence. Deuxièmement, donc cette carence en insuline va entraîner une cétose, sachant que l'insuline est une hormone anti-lipolytique. Sa carence entraîne une libération d'une quantité accrue d'acides gras dans les tissus adipeux. Ces acides gras, donc au niveau des hépatocytes, vont être oxydés en acétyl-CoA,
Chez les sujets normaux, bien sûr, l'acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs, bien sûr, pour former de l'énergie. Chez un patient qui est en insulinopénie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécrétion d'insuline, là, l'acétyl-CoA, il ne peut être incorporé dans le cycle de Krebs. Il va être dévié vers la voie de production des deux corps cétoniques qui sont l'acide acétoacétique et l'acide bêta-hydroxybutyrique. Et de là, nous avons la formation de ces deux corps cétoniques. Donc, la troisième conséquence de cette carence en insuline, c'est la déshydratation. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à sa formation. Premièrement, la diurèse. Lorsque le malade va uriner, va y avoir une perte donc, d'eau et du glucose. Et sachez que le seuil rénal de résorption il est de 1,80, c'est-à-dire au-delà, c'est tout le monde qu'au-delà de 1,80, apparition d'une glucosurie. Et sachez que pour 1 litre d'eau, il y a 50 g de sucre urinaire qui sont perdus. Deuxième cause de cette déshydratation, c'est l'hyperventilation. C'est-à-dire l'acétone, elle va s'accompagner d'une élimination de la vapeur d'eau par respiration, bien sûr qui va aggraver la déshydratation. Troisième cause de cette conséquence de cette déshydratation, c'est les troubles électrolytiques, c'est les troubles digestifs. C'est-à-dire le malade, quand il va faire une diarrhée ou bien des vomissements, bien sûr, perte d'eau et des électrolytes. Et enfin, l'anorexie qui est un facteur d'aggravation, c'est-à-dire non seulement le malade il est en train d'uriner, il est en train d'hyperventiler, troubles digestifs, mais encore il est anorexique, c'est-à-dire il ne peut même pas boire ou bien manger. La quatrième conséquence, les pertes électrolytiques qui sont dues toujours à la diurèse osmotique, à la perte, donc les urines, il va y avoir perte de sodium et de potassium. Deuxièmement, l'élimination urinaire de corps cétoniques se forme de sel, de sodium et de potassium. Troisièmement, les troubles digestifs, toujours diarrhée et vomissement. Et troisièmement, nous avons un hyperaldostéronisme intense qui limite les pertes de sodium, mais va aggraver la limite du urinaire du potassium. Cliniquement, nous avons deux cas de figure. Soit c'est un malade qui va consulter précocement, c'est-à-dire dès l'installation des signes. Celle est caractérisée cette phase par une asthénie croissante, une anorexie, une aggravation des signes cardiaques, c'est-à-dire le syndrome polyuropolydipsique. Certains symptômes peuvent dire que ce malade il va décompenser. C'est un malade qui est somnolent, il est obnubilé. C'est quelqu'un qui a des vomissements, troubles digestifs, vomissements, nausées. Douleur abdominale, j'insiste sur les douleurs abdominales. Sachez qu'il y a des malades qui sont arrivés à la table de chirurgie pour des douleurs.
Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Il a bon fait, vous êtes en train de partager l'écran. Donc vous dites... Normalement, tu vois toujours. Vous êtes en train de partager. Allô? Vous m'entendez? Donc, je continue. Donc, on a dit pour la clinique, il y a une phase de début. C'est une cétose sans acédose. C'est-à-dire que si le malade, dès l'installation des signes, le malade va consulter. Ça peut se manifester par une asthénie croissante, une anorexie ou bien aggravation des signes cardinaux. Ces signes cardinaux, c'est-à-dire un syndrome polyuropolydipsique. Certains symptômes donc marquent la décompensation, c'est-à-dire il y a des symptômes où on dit ce malade va compliquer. C'est un malade qui est somnolent, qui est obnubilé, un malade qui présente des nausées et des vomissements, et je vous ai dit que j'insiste sur les douleurs abdominales parce que la cétose diabétique peut nous donner un tableau chirurgical. Un tableau chirurgical, c'est-à-dire le malade va avoir des douleurs abdominales, une rotor, on va l'orienter vers la chirurgie au lieu de faire une simple chimie des urines qui va montrer une cétonurie avec glucosurie. Donc, douleur abdominale, si vous recevez un malade au PU jeune qui est déshydraté avec troubles digestifs, avec des douleurs abdominales, pensez à faire une chimie des urines. Parfois, le malade présente des signes respiratoires. C'est une polypnée sans cause apparente, c'est-à-dire il n'a même pas une pneumopathie ou autre chose. Bien sûr, si le malade ne consulte pas à ce stade, va y avoir installation du coma proprement dit. Et donc, les symptômes vont s'aggraver. Nous avons un état de déshydratation. Bien sûr, sa déshydratation, elle est extra et intracellulaire. Vous connaissez tous que les signes de déshydratation extracellulaire, c'est la peau sèche, l'hypotonie, la tendance à l'hypotension artérielle. L'intracellulaire, vous avez la sécheresse des muqueuses et la soif intense. Deuxièmement, on a une hyperventilation, un type de respiration de Kussmaul. C'est une polypnée qui est supérieure à 20 cycles par minute. L'air expiré, il a une odeur acétonique caractéristique de pomme rennaise, c'est-à-dire, comme on dit en arabe, « tufaha l'emporia ». Troisièmement, les troubles de la conscience allant du simple, c'est-à-dire le trouble habituel, est une obnubilation. Mais on peut trouver un coma et le coma, quand il existe, il est calme et votre examen neurologique est normal. Ça va être un diagnostic différentiel avec les autres comas diabétiques. On peut trouver d'autres symptômes comme l'hypothermie, troubles digestifs et les pneumopathies. Évolution et complications. Comme tout coma, on peut avoir un collapsus cardiovasculaire qui est lié bien sûr à la déshydratation. On peut avoir des complications thromboemboliques qui se voient surtout chez les sujets âgés. Un trouble du rythme cardiaque, surtout avec risque de mort subite, donc secondaire à l'hypokaliémie. D'où la règle, nous y reviendrons dans le chapitre traitement, d'où la règle de toujours, donc, commencez à supplémenter votre malade par le potassium pour pallier à cette complication. Enfin, les infections qui sont liées au décubitus et enfin les complications qui sont en rapport avec le traitement, c'est-à-dire dès qu'on commence à traiter le malade, on peut avoir encore l'hypokaliémie, un œdème cérébral et une hypoglycémie. Biologiquement, bien sûr, le diagnostic peut se faire au lit du malade. Donc, on va faire une chimie des urines. Si le malade est conscient, il va uriner. Si nous sommes devant un coma, donc on va obligé de faire une sonde urinaire pour recevoir les urines. Donc, on va trouver une glucosurie avec acétonurie, donc découverte à la bandelette. Une glycémie, donc, par le glucomètre que vous connaissez. C'est un appareil qui va afficher les taux de glycémie. Il est entre 3
à 5 grammes. Entre-temps, j'aurais demandé le bilan d'urgence qui comporte toujours une glycémie, une fonction rénale et un urinogramme sanguin. L'acidose se traduit par un pH qui est inférieur à 7,2 et les bicarbonates qui sont inférieurs à 15 millimoles par litre. L'urinogramme sanguin, bien sûr, le bilan, il est toujours négatif. On a toujours cette hypokaliémie. Le CG est utile. J'insiste sur le CG, s'il vous plaît. Je le dis à chaque rotation. Devant tout cétose, surtout un malade qui est déjà diabétique de type 2, qui présente une cétose diabétique, pensez toujours à faire un ECG. Premièrement, pour dépister une hypokaliémie, mais surtout, surtout, dépister une ischémie myocardique aiguë qui peut être à l'origine de cette décompensation cétosique. Et enfin, la radiographie pulmonaire, par exemple, à la recherche d'une pneumopathie, un ECBE pour la recherche d'une infection urinaire, et ainsi de suite. Donc, bon, le bilan des complications, le bilan biologique, j'insiste sur l'ECG. Donc, faire un ECG par excès que par défaut, ça peut être un problème cardiaque aigu qui est à l'origine de cette décompensation aiguë.